ain't never been good at math. I usually use my fingers to subtract or add. Something I know is greater, and I don't need no calculator. And that's a fact. Cause as long as 1 + 1 will equal 2, that's as long as I've been needing you. Oui, j'ai ouvert dans ta chambre. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Angel dit qu'il caille parce que j'ai ouvert, j'ai aéré et que j'ai ouvert dans sa chambre. Alors c'est parti pour un week-end de 3 jours, enfin un week-end vlog de 3 jours, une vidéo sur 3 jours. Alors je vous ai pas trop filmé ce matin parce que j'ai déjà tout fait parce que... Ah, il faut que je condense le week-end. Déjà là en ce moment je trouve que mes vidéos sont un peu trop longues. J'essayais à chaque fois de tourner autour d'une demi-heure. Là ça tend vers les 50 minutes hein. Alors en fait j'essaye de vous partager un peu de ma routine ménage. J'essaye de vous partager des recettes en ayant... Voilà, en vous montrant un petit peu les étapes et tout. Donc du coup ben, ça rallonge un petit peu des instants de vie. Du coup ça rallonge les vlogs. Non, je suis désolée en fait hein. Mais bon, je sais que certaines me regardent pour les instants de vie, certaines me regardent pour la routine ménage et d'autres pour les recettes. Donc j'essaie de satisfaire tout le monde. Donc ben, ce que vous faites c'est que vous passez les passages qui vous intéressent pas. Voilà, je vous en voudrais pas. Donc du coup on est vendredi aujourd'hui, vendredi 3, journée bien chargé pour les loups parce qu'en fait ils font 8h midi, 13h30, 4h30 pour Stacy, 5h30 pour Angel. Voilà, donc une belle journée bien chargée. Moi ça me fait moins d'allers-retours par rapport à hier, je gagne 2 allers-retours dans la semaine, c'est pas négligeable parce que, enfin dans la journée, là je vais aller les conduire tous les deux à 8h, midi je vais aller les rechercher tous les deux, 1h30 je les reconduis tous les deux et c'est Greg qui chargera de ce soir. Voilà, on se partage le travail. Ce que j'ai déjà fait ce matin, donc je me suis réveillée à 4h30, il pleut aujourd'hui. Depuis ce matin que je me suis réveillée, il pleut. Donc je me suis réveillée à 4h30, j'ai travaillé sur la chaîne, j'ai fait mes routines. Et aujourd'hui, il n'y a pas de blessing, mais il y a la zone. Et au niveau de la zone, donc pour rappel, aujourd'hui on est zone 1, salle de bain, buanderie, WC. J'ai fait l'extérieur, non ça c'était hier, j'ai fait les portes. Grille ventilation de la salle de bain, les murs des WC, il me reste mon meuble de salle de bain extérieur à faire et je voudrais aussi désinfecter les brosses à dents, mais j'attendais que les loulous soient passés par la salle de bain et brosser leurs dents pour le faire. Voilà. Sinon, au niveau repas, cuisine, ce midi c'est un one po quinoa à la mexicaine. Je suis désolée, il fait un peu sombre, hein, mais il fait encore un petit peu noir. je vous ai pas dit quelle heure, il est presque 7h. Oh, c'est le froid. Donc one po quinoa à la mexicaine et ce soir on va faire une salade burger. Voilà. Ce soir c'est un soir où on n'a rien, logiquement. Donc ça va faire du bien, une petite soirée à la maison où on va pouvoir se poser. On va aller chercher les loulous à 5h30 pour Angel et après on sort plus et on passe tranquille à la maison. Allez go. J'étais en train de dépendre mon linge. Je vais Ensuite, je vais finir de dépendre mon linge. Et ensuite, ce que je vais aller faire, c'est mon... finir ma zone. Et je ferai mon repassage tout à l'heure. Là, j'ai un peu de temps ce matin. J'aurais plus que ça à faire. Tout le reste a été fait. Alors, il y a un papillon de nuit qui est rentré dans la maison. Il y a Luna qui est en mode chasseur, là. Hein ? Elle cherche partout. Tenue du jour. Vous faites pas attention aux chaussures, ni au linge. Les chaussures, je vais mettre les escarpins, hein, les mêmes qu'hier, je pense. Là j'ai mes tongs à mes pieds, ça le fait pas. Hop, alors tenue, un petit jean brut et puis un pull. Donc c'est un pull que je me suis remis en mode automne. C'est un petit pull que je mettais souvent l'année dernière qui vient de Kiabi, couleur moutarde comme ça. Et les boucles d'oreilles, je me souviens plus d'où elles viennent. Je pense que ça doit être de la Halle, je pense. Niveau du rouge à lèvres, c'est la même marque qu'hier. Alors c'est un... Alors c'est le Be Power Full 312, c'est L'Oréal. Voilà, c'est le brillant quelque chose. Et on m'avait demandé aussi quelle était la couleur de mon rouge à lèvres il y a 2 jours. Alors c'est rouge vertige satiné numéro 33, c'est un Yves Rocher. Voilà,
il y a 2 jours. C'est une couleur un peu très... Je ne savais même pas que ça se voyait, en fait. C'est pour ça que je ne vous l'avais pas dit. C'est vraiment un très clair, quoi, en fait. Voilà. Il est beau. Il est neutre. Donc, voilà. Allez, on dépense son linge. Non, mais dites-vous de moi. Bah non, j'ai froid. T'as froid? Mais oui, il fait pas beau. Allez, on va finir. Je vais finir de dépendre mon linge et faire ma petite routine. Et nous, bah, du coup, on se revoit tout à l'heure. Après, j'aurai conduit les loulous. Ça y est, loulou déposé. Moi, bah, ça va. De 8h10, 8h15, je suis rentrée. Donc, et là, j'ai jusque midi, moi, le quart. Pour... Voilà, j'ai toute la matinée pour moi. Petit déjeuner. Du coup, on a un temps pourri dehors. Il n'y arrête pas de pleuvoir. Il fait tout gris. C'est horrible. Il me restait des pancakes ricotta citron que j'ai fait en mardi, je ne sais plus. Je pense que c'est ça. Mardi ou mercredi. Enfin, la recette est sur le blog si vous le souhaitez. J'ai mis des petits fruits, un demi pamplemousse et un petit café. Voilà. Et le truc blanc, là, c'est du skyr que je mets dessus. Allez, on va déjeuner. Je vais en même temps travailler un petit peu sur le PC. Ensuite, je vais aller faire mon repassage. Et puis, je vais préparer le repas. Tranquillement. Je pense que je vais faire la même chose qu'hier. Enfin, la même chose, sans faire la bêtise. Hein, sans le poivre qui tombe dedans. Mais je pense que je vais le faire au MCC. C'est un one po quinoa. Et là, c'est de la viande hachée dedans. Donc, à la mexicaine. Je pense que oui, je vais faire ça. Ça, je le programmerai. Ça sera encore cuit et chaud quand on rentrera. Enfin, le programmerai. En fait, je vais le lancer au moment où on s'en veut, pratiquement comme hier, qu'en fait, ça continue de tourner quand je fais la route et quand on revient, ben, c'est juste bon à manger. Allez, on y va, on va manger déjà. J'ai fait mon repassage, j'ai dérangé mon linge, j'ai déjeuné. Là, je suis en train de faire un thé glacé pour ce soir. Alors, Ikaï, c'est pas le moment de boire du thé glacé, vous allez me dire. Mais en fait, je me suis dit que ça pourrait être sympa, les enfants, ils aiment bien et tout. C'est week-end ce soir, donc je voulais un petit truc pour ce soir devant la télé. Donc du coup, je vais faire un thé glacé à la framboise. Je vous explique comment je vais faire. Alors, c'est assez simple. On prend une casserole. On commence à faire chauffer de l'eau, 1,5 litre d'eau pour avoir à peu près 2 litres de thé glacé. 1,5 litre d'eau, 150 g de framboises. Alors là, j'ai utilisé des framboises surgelées parce que de toute façon, on va les réduire après en purée. Je vais en mettre des fraîches après pour la déco, mais voilà, utiliser des framboises surgelées, ça fait très bien l'affaire. Des framboises surgelées et puis j'ai mis le sucre, les framboises et l'eau. Voilà, et le sucre, 80 g de sucre. Alors moi je mets 80 g, si vous voulez ça plus sucré, rajoutez-en, si vous voulez moins ça moins sucré, mettez-en moins, ou mettez-en moins et rajoutez-en après, c'est possible de rectifier après quoi en fait. Donc là on met l'eau, les framboises, le sucre dans une petite marmite, on porte à ébullition. Une fois que c'est à ébullition, on baisse le feu, on mélange un petit peu jusqu'à ce que le sucre soit complètement dissous. Une fois que c'est complètement dissous, on va éteindre le feu et on ajoutera du thé. Et je vous montre. Alors, ça une après. Une fois que je suis en ébullition. Ça sent trop bon les framboises. Les framboises fraîches là. Rien à voir avec un qu'on aurait pu acheter dans le commerce. Donc une fois que c'est en ébullition, on baisse le feu. On mélange bien. On regarde si le sucre est bien dissous. Mais s'il est bien dissous, on arrête. On met nos 4 sachets de thé. Alors c'est du thé noir. On conseille le thé noir quand on fait du thé glacé. Je pense que c'est une histoire d'amertume. Alors je sais pas, j'ai toujours fait avec le thé noir. Mais je pense qu'il doit être moins amer que le thé vert. Donc on en met 4. On laisse infuser. On va couvrir. Enfin on va mettre le jus de citron aussi. Donc 30 ml de jus de citron. Hop. Voilà. Je vais donner juste un tout petit coup de cuillère sans faire tomber les sachets. On met un minuteur de 5 minutes. On couvre et on laisse le thé infuser. Alexa, mets-moi un minuteur de 5 minutes. 5 minutes à partir de maintenant. Voilà, c'est parti pour 5 minutes. Au bout de 5 minutes, on enlève. Alors, vous pouvez les laisser infuser plus longtemps. Alors, mais pour quelle heure? Alexa, stop!
Vous pouvez laisser infuser plus longtemps si vous voulez, mais au plus vous allez laisser infuser, au plus il va être fort. Et moi, je cherche pas à avoir quelque chose de trop fort. Si c'est trop amer ou quoi, les enfants vont pas aimer. Donc, je le laisse que 5 minutes. Et sur l'emballage, de toute façon, il est écrit 3 minutes. Donc, à voir. Et bon, c'est 3 minutes pour un sachet, enfin une tasse. Donc là, on a quand même une grosse quantité d'eau. Mais voilà, c'est à vous de voir quoi en fait en fonction de vos goûts. Alors, au bout des 5 minutes, on retire les sachets de thé. Hop. Et on laisse refroidir. Alors, on laisse refroidir à température ambiante. Une fois qu'il sera bien froid, on va le filtrer tout à l'heure. Voilà. Bah, là, moi, je vais aller taper mon menu pour la semaine prochaine. Je suis en train de me faire un petit café. On va faire le repas. On va faire à manger. Ce que j'ai fait, j'ai tapé mon menu. J'ai répondu à vos commentaires. Et puis, j'ai répondu aussi à vos messages sur Facebook. Et Instagram. Et j'ai vadrouillé sur Shein. Le site que j'aurais pas dû aller en fait. Parce que quand je vais là-dessus, en fait, il est tellement grand, il y a tellement du choix que on s'y perd. Voilà. On y va pour 10 minutes et puis en fait, compte, voilà. En fait, j'ai un baptême à la fin du mois et j'étais en train de me demander si je me commandais une robe ou pas. Mais j'en ai plein en fait dans ma garde-robe et je les mets jamais parce que voilà, souvent on est beaucoup plus à l'aise à la maison en pantalon ou. Voilà. Il faudrait. J'ai plein de. Faudrait que je. Voilà, faut que je les mette. Mais non, hein. Allez. Donc du coup, je sais pas, je verrai bien. Parce qu'en fait, j'ai plein de robes, mais je trouve qu'elles font un peu trop habillées. Et il y a des robes que je vais, enfin, vous voyez, pas trop longues. Enfin, et je suis pas forcément à l'aise d'aller faire les magasins avec ou des choses comme ça. Je préfère et puis en robe courte à la maison, enfin pour faire le ménage et tout, c'est pas pratique. C'est plutôt des robes que je mets quand on sort quoi en fait, voilà, ou quand on a des occasions. Mais c'est vrai que je pourrais les mettre, hein. Allez, on y va du coup pour ce wampo quinoa à la mexicaine. Donc il nous faut du quinoa bien sûr, de la viande hachée de bœuf, de l'huile d'olive pour faire revenir un oignon, deux gousses d'ail, un poivron, du bouillon, cube de bouillon de bœuf. Au niveau, il faut aussi du coulis de tomate, une boîte de maïs, une boîte d'haricots rouges, de flocons de piment au goût, épices mexicaines qui est sur le blog si vous voulez faire votre mélange maison, et un peu de cumin pour corser encore plus la saveur du Mexique. Je trouve que quand on met du cumin, ça sent tout de suite le chili. Ça sent le Mexique. On y va, du coup, on va commencer par hacher. Alors, je vais le faire au MCC, hein, comme je vous ai dit. Mais sur la fiche recette, vous aurez tout pour le faire à la. Alors, est-ce que je vous ai fait la fiche recette pour le faire au Cookéo? Parce que c'est possible aussi de le faire au Cookéo. Oui, en fait, je vous ai mis les deux. 5 minutes au Cookéo, 20 minutes à la casserole. Le temps que le quinoa est cuit, on met moins de temps au Cookéo parce que c'est cuit par. Par absorption, enfin, par, et puis à la vape fin. Ah, je vais y arriver. Sous pression, voilà, j'ai réussi. Allez, moi je vais essayer au MCC, je verrai ce que ça donne. En fait, hier, le riz, il était tombé dans le fond. Donc il était tout au fond, et il y avait plein de liquide encore au-dessus. Mais il était cuit, ça a été. Après, comme je vous dis, c'est pratique, c'est que je peux lancer qui va continuer à mélanger tout seul. Alors, le genre de plat comme ça, au Cookéo, ça va vite, hein, c'est rapide et tout. Mais ce qu'il y a, c'est que quand il y a des pâtes ou du riz ou comme là, du quinoa, j'aime pas le laisser en préchauffage parce qu'il continue encore un petit peu à cuire. Et quand on rentre, bah, il est tout pâteux. Pareil, c'est des genres de plats que j'aime pas faire non plus. Vous voyez, préparer à l'avance le midi, mettons, pour quelques heures après, quoi, en fait. C'est le genre de plat que j'aime pas faire parce que comme il commence à tremper dans le liquide, et ben les pâtes, le riz ou le quinoa,
ils sont déjà un peu cuits, il y a moins de liquide, donc souvent le cookéo se met en mode erreur et il devient tout pâteux quand en fait est trop cuit. Donc faites-le au cookéo, mais si c'est pour manger tout de suite après quoi, en fait. Après, ce qui est faisable aussi, c'est de préparer tous les ingrédients et le faire cuire à la dernière minute, tout assembler à la dernière minute, préparer le quinoa, les choses comme ça et tout, et puis tout préparer, tout mettre à cuire à la dernière minute. Ce qu'il y a, c'est que là, moi, 5 minutes, parce que le temps de préchauffer le cookéo et tout, voilà, 5 minutes, c'est 5 minutes que... Parce que ça va être la course, je pense, le midi. On va voir, mais c'est le test. Ils finissent tous les deux à midi, ils reprennent tous les deux à 13h30. Angel, 13h35. Donc, il faut que je parte pour 10 pour aller déposer Stacy. Quand même, ouais, 13h10, grand max. Pour aller déposer Stacy tout de suite pour 20, que je repars tout de suite aller déposer Angel. Et encore un quart d'heure, il suffit qu'il y a du monde ou quoi. Voilà, ça risque d'être un petit peu short. Ça va être... mais bon. On va voir, on va gérer ça. Donc du coup, tant qu'on rentre, hier on est rentré, il était presque midi 25. Tant qu'on rentre, qu'on mange, il faut qu'on s'en va une demi-heure après, quoi, en fait, 40 minutes après. Donc voilà, 5 minutes, c'est 5 minutes. Je vais mixer mon oignon et mon ail. J'ai mixé l'ail et l'oignon, je vais ajouter une cuillère à soupe d'huile d'olive. La viande hachée et je vais mettre sur position dorée pour faire cuire déjà la viande et commencer à la faire dorer. Et les oignons piquent à mort. Donc si vous le faites à la casserole ou au cookéo, vous faites exactement la même chose, vous faites dorer, vous coupez vos oignons, vous les faites dorer ensuite après. Ouh là là, avec la viande, j'ai du mal à trouver mes mots en ce moment, je sais pas, je bégaye. Là en attendant, bah, je vais m'occuper de mon poivron, je vais le couper en petits morceaux. Une fois que la viande et les oignons sont dorés, on va ajouter le quinoa. Alors n'oubliez pas de bien rincer votre quinoa quand vous l'utilisez, parce qu'en fait il y a de la saponine autour de la graine pour la protéger dans la nature, et souvent on trouve que le quinoa est pas bon et qu'il y a un goût de savon parce qu'on a oublié de le rincer. Donc rincez-le bien pour enlever cette petite couche qu'il peut avoir. Alors logiquement je pense qu'ils font déjà dans l'industrie quoi en fait, mais voilà, faut mieux prendre un peu de précaution. On ajoute la boîte de maïs et la boîte d'haricots rouges. Youp, allez toi. J'ai ouvert les boîtes, il y a Luna qui s'est pointée en croyant que c'était des boîtes de thon. Elle me fait trop rire dès que j'ouvre une boîte de conserve. En fait les boîtes de conserve c'est que quand c'est soit des concassés de tomates, des haricots rouges, enfin des légumes secs, du maïs ou du thon. Donc elle se dit bon je vais quand même aller, on sait jamais, les trois quarts du temps c'est du thon. Donc donc j'en étais où? J'ai rajouté le quinoa, on va mettre le bouillon. Donc cette fois-ci j'ai fait chauffer le bouillon. Comme ça, il est déjà à température. Donc, 500 ml de bouillon. 500 ml de tomates, de purée de tomates. Le poivron qu'on a coupé en petits cubes. Un peu de sel et un peu de poivre. Cette fois-ci, on fait attention que le truc, il n'est pas cassé et qu'il ne tombe pas dedans. Hein ? Hop. Mais en tout cas, je ne me ferai plus avoir. Là, c'est des moulins que j'avais achetés chez Lidl. Ben, j'en achèterai plus. Alors, il faut que je l'ouvre celui-là. N'utilise pas tes dents. Voilà ce que ma mère, elle me dirait si elle serait là. Et le pire, c'est que moi, je l'aurais dit à mes enfants. S'ils auraient été eux. Hop, j'ajoute du poivre. Et puis, on va ajouter les épices. Donc, je vais chercher mes petites cuillères des épices. Une cuillère à soupe d'épices mexicaines. Alors, souvent, quand vous me demandez d'où viennent mes cuillères doseuses, alors, on en trouve un petit peu partout.
dans les magasins spécialisés et tout, styles audio et tout. Mais là, moi, je l'ai. On en trouve aussi sur Amazon aussi. Vous tapez cuillère doseuse et vous allez en trouver. Celle-là en inox comme ça, là, comme celle que j'utilise, je les ai trouvées à l'incroyable. Hop. Et celles que je vais utiliser là maintenant, qui sont un peu style rose gold comme ça, je les ai trouvées Jardinerie Famille Flora en Belgique. Donc ensuite on ajoute une cuillère à café de cumin. Quand je vous dis, on en trouve un peu partout en fait, hein, dans les rayons cuisine ou quoi. Après sur Amazon, il y a l'embarras du choix. Hein. Mais pas que sur Amazon, hein, sur Wish, si vous avez l'habitude de commander, sur AliExpress ou quoi. J'ai jamais commandé moi sur Wish, sur AliExpress. Donc je sais pas trop, mais je sais qu'ils en vendent. Un huitième, vous pouvez mettre plus si vous voulez, de flocons de piment. Voilà. Et là du coup... Je vais vérifier, mais je pense qu'on a mis tous les ingrédients. On va pouvoir lancer la cuisson 20 minutes à la casserole, 5 minutes au cookéo, cuisson sous pression. Alors, sur le MCC, j'ai mis 20 minutes, sens inversé, vitesse 1, 105 degrés. Et c'est parti. On va ranger maintenant son petit bordel. C'est parti. Pleut pas. On va chercher Angel et Stacy. Ça y est, j'ai récupéré mes deux loulous. C'est cuit, on va pouvoir manger. Voilà ce que ça donne du coup. Le wanpo quinoa à la mexicaine. Ça qui sac là. À moi. Hop. Alors on a calculé, on doit partir pour 13h07 précisément. Allez, on se dépêche. Du coup, ça nous fait, comme je vous ai dit, un petit 40 minutes pour manger et se poser un tout petit peu pour les loulous. Ça y est, les deux loulous sont à l'école. Greg est rentré. En fait, le temps que j'arrive, il est déjà rentré, lui. Je vais... L'année dernière, c'était lui. Enfin, je sais pas si vous vous souvenez, c'était lui qui déposait Stacy à l'école en revenant. Mais là, comme je dois partir un petit peu avant pour Angel, et en fait, quand on a regardé au niveau des heures, ce matin, on est arrivé largement à l'avance, donc on pourra partir pour 40 de la maison, la même heure où je déposais, où on partait avec Stacy. Et là, on va pouvoir partir à 10h10 parce qu'on est arrivé largement à l'avance aussi pour Angel. Bon, après, on se garde toujours un petit peu de rame, on sait jamais hein, ce qui peut arriver sur la route. Mais voilà, ça a l'air de bien fitter. Et le vendredi, c'est bien, c'est que leurs horaires fonctionnent, donc j'ai pas 40 000 allers-retours à faire. Puis de toute façon, comme je vous avais dit, hein, je me déplaçais déjà pour Stacy. On y va du coup pour le thé glacé. Donc là, il est tiède, enfin il est froid, quoi. En fait, j'arrive à prendre le... On va le filtrer. Et on va le filtrer à travers un petit tamis. Et on va écraser les petites framboises qu'il y a dedans pour extraire tout leur parfum. Et tout le petit sirop qu'il pourrait avoir. En fait, on met pas les graines, quoi. Voilà. J'ai bien tout... voilà, tout filtré. J'ai mélangé, essayé de presser le maximum de jus. Voilà. On a une belle couleur, du coup. Belle couleur framboise. Là, du coup, je vais le mettre au frigo. Et tout à l'heure, quand je vais le servir, je vais rajouter une branche de menthe, quelques petites rondelles de citron et quelques framboises. Sera, en tout cas, je l'ai goûté là pour voir au niveau du sucre et tout. C'est un très très bon goût de framboise. Et pour moi, pas la peine de rajouter de sucre. C'est très bien comme ça. On verra froid, mais ouais, là il est très bon. Il est presque fin d'après-midi. On a été récupérer les loulous. Stacy finissait à 4h30, elle était sous les chéris. À 16h30 et Angèle à 17h30. On a été récupérer Stacy à 16h30 et elle voulait aller jusqu'à Action. Elle voulait des écouteurs comme maintenant elle a un téléphone, un téléphone. Elle voulait des écouteurs comme son frère en fait. Vous voyez les écouteurs Bluetooth comme moi j'ai ou comme Greg a aussi maintenant. Donc du coup, on a été lui en rechercher. Je ne sais pas si vous vous souvenez, ceux d'Angèle, on les avait achetés à Action. C'est la marque Grandding. C'est ça un Granda Grandding? Pas comment ça se dit, on les avait payés même pas 10 euros, 11 euros, 10 euros quelque chose. Donc, ah, mon téléphone, tu peux aller chercher mon téléphone, Greg, il est dans mon sac, c'est ta fille. Oui, donc du coup, on a été lui chercher, et puis ensuite, on a été chercher Angel, voilà, et on est rentré. Et là, je suis en train de faire mes fiches recettes pour enfin commencer à travailler sur les fiches recettes de la semaine prochaine, et Greg, lui, il relaxe. Il joue au PC. Et je pense que ce soir, ça va être tranquille comme ça. Je vais commencer le repas non, ça sera pas tranquille. Ah.
je vais commencer. Bah, à mon avis, elle appelle sur le téléphone, mais sur le. Ouais, mais ton portable est pas là. Elle appelle sur le fixe, c'est elle. Donc c'était Kim qui voulait m'emprunter des assiettes. Alors, on va commencer du coup la recette de ce soir. Donc ce soir, c'est une salade burger. Alors c'est une mélange entre ce qu'il y a dans un hamburger et puis une salade composée avec des légumes dedans. Voilà. Donc là, ce que je vais faire déjà, c'est que je vais faire les petits steaks à burger. Donc j'ai pris de la viande hachée de bœuf, 400 grammes. J'ai mis une cuillère à café de sauce anglaise. Voilà, donc c'est cette sauce là, la Worcestershire. Du sel, du poivre, et j'ai mis deux cuillères à soupe d'oignons comme ça déshydratés. Vous pouvez mettre de l'oignon cru si vous voulez, mais ce qu'il y a, c'est que souvent il reste cru et les enfants n'aiment moins, alors que là ça va juste parfumer mais sans donner ce côté cru d'oignon. Et on mélange tout ça. Une fois que j'ai mélangé la viande hachée, j'ai fait 8 petits steaks. On pourrait faire des gros, mais là je vais en mettre 2 par salade. Voilà. Voilà. Pour les calibrer, ce que j'utilise moi à chaque fois, je vous l'ai déjà dit, hein, boule de cuillère à glace. Comme ça, il y a exactement. Enfin, ils ont tous la même taille, la même proportion. Il n'y en a pas un plus gros que l'autre. Parce que quand on a des enfants à la maison, voilà, faut mieux que tout, ils soient pareils. Une fois que les steaks sont formés, on fait la petite sauce et on prépare les légumes. Donc là, on va faire la petite sauce qui va aller avec. Donc, petite sauce un peu spéciale, un peu style burger en fait. Un mélange de... Alors, comme d'habitude, j'ai mélangé mayonnaise et du skyr. Vous pouvez mettre que de la mayonnaise si vous voulez. Donc, il y a 50 g de mayonnaise, 50 g de skyr, une cuillère à soupe de ketchup, une cuillère à café de moutarde... de Dijon. On va ajouter du poivre de Cayenne, alors moi je mets qu'un 1/8, du paprika fumé pour donner le petit goût de fumée, une demi. Hop. Alors youhou, paprika fumé, si vous vous demandez, on le trouve sous la marque Ducros dans les grandes surfaces, rayons là où il y a les épices et tout. Du persil déshydraté, une demi. Une cuillère à soupe d'oignon déshydraté. Alors ça, c'est pareil, je le trouve à Lidl. On le vend en France. Hein. Lidl France, vous en trouvez. Hop. Et un petit peu d'ail, pour pas qu'il prenne trop le dessus, je mets qu'un quart de cuillère à café. Hop. Et on va déjà mélanger ça. Alors, je vais saler un petit peu. Je vais pas poivrer parce qu'on a mis le poivre de Cayenne. Alors là, ce serait pour mettre dans des hamburgers. On pourrait la laisser comme ça. Là, comme ça, va nous servir un peu de vinaigrette pour la salade. On va essayer de la liquidifier un tout petit peu. Je vais ajouter du lait. Un peu de lait. 3 cuillères à soupe de lait. J'ai ajouté 3 cuillères à soupe de lait. Du coup, on a quelque chose qui est un peu plus liquide, qui va napper la salade. Donc ça on met de côté et on prépare les... J'ai préparé les assiettes avec la salade. Donc j'ai pris des assiettes creuses et j'ai mis du coup la petite salade. Donc de la laitue, concombre, des petites tomates cerises, des oignons, du radis noir tranché, des carottes râpées, un peu de fromage coupé en petits morceaux. J'ai la sauce, les oignons frits pour après. Nous, ce qu'on va peut-être mettre avec Greg, je vais en rajouter là. Je vais mettre du confit d'oignon que j'ai au frigo plutôt. Et là, je suis en train de faire cuire les petits steaks. Voilà. Et je me suis servi un verre de thé glacé à la framboise. Donc en fait, j'ai juste rajouté quelques framboises fraîches. Est-ce que vous allez voir? C'est pas la pointe. Hop là, quelques framboises fraîches, des rondelles de citron et une petite branche de menthe. Voilà, avec une petite paille et des glaçons bien sûr. Franchement, il a un super bon goût de framboise, c'est vraiment trop trop bon. Bon, je vous montre une fois que j'aurai fini d'assembler la salade. En fait, ce qu'on va faire, c'est juste poser les steaks sur la salade, mettre un petit peu de sauce, un petit peu d'oignon frit et on va pouvoir passer à table. Du coup, je vous montre comment j'ai assemblé la petite salade. Ah oui, tout à l'heure, je ne vous ai pas montré. À Action, j'ai acheté des petites bouteilles comme ça.
C'est en fait c'est un kit de voyage. C'est juste pour pouvoir re-remplir avec le gel. Ça revient moins cher d'acheter des grandes bouteilles que des petites. Donc du coup voilà, j'ai racheté des petites bouteilles, comme ça on les remplira. Il y en a une avec un flacon pompe, donc c'est bien pour le gel. Et quand il est un peu plus liquide, la bouteille ici là, c'est un bouchon vous voyez, qui a bascule là, qui soulève. Donc c'était 99 centimes si ça vous intéresse. Et après j'ai pris, j'ai rien pris d'autre. Si, des chaussettes collants. Parce que là je crois que je vais commencer à remettre des chaussettes. Et là avec mes escarpins je me suis fait des gales au niveau des orteils, parce que je les ai mis sans chaussettes. Hop. Donc voilà la petite salade. Donc du coup j'ai juste posé les deux petits steaks, un peu d'oignon, de confit d'oignon, la petite sauce sur le dessus et un peu d'oignon frit. Voilà la salade burger. Donc moi je vais vous laisser là pour ce premier jour de vlog, de ce vlog de 3 jours. Je vous fais des bisous et je vous dis à demain. Bye, bisous, à demain. Deuxième jour de ce week-end vlog, j'espère que vous allez bien. On est samedi aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on va avoir un beau week-end. Alors si les nuages menaçants qui viennent de temps en temps ne s'attardent pas trop, ça devrait aller. Greg et Angel sont partis au foot. Angel avait son premier match de la saison. La semaine dernière, on a eu un aussi, mais je pense que c'était un match amical. Là, ça y est, c'est reparti pour les matchs. Et c'est un samedi matin, d'habitude c'est le dimanche. Il y avait rendez-vous à 9h là. Et après c'est fini, on a tout le week-end pour nous. Logiquement cet après-midi on devrait aller, alors on va aller reporter le pantalon à Stacy. Je sais pas si vous vous souvenez qu'on avait pris deux pantalons sans faire exprès, donc il y en a un qu'il faut qu'on aille reporter. En fait on avait pris les deux tailles et on en a gardé un, mais l'autre on aurait dû le remettre en magasin en fait, et on a oublié de le remettre, on l'a laissé dans le panier. Et je m'en suis aperçue quand on est rentré. Donc du coup on va aller le reporter et puis je voudrais aller voir pour avoir un petit manteau pour les enfants. On avait regardé avant les vacances, avant la rentrée, et c'était pas encore vraiment remis. Donc là je voudrais aller voir s'ils commencent à les remettre, parce qu'il y a des jours où il fait un peu frais le matin et je pense qu'on va pas tarder à remettre les petits manteaux. Voilà. Sinon j'ai remis la petite robe de l'année dernière, je sais pas si vous vous souvenez. Enfin, je l'ai un petit peu mis aussi au printemps en fait. Hein. Mais c'est vrai que je trouve que c'est vraiment une couleur d'automne. Et là, aujourd'hui, j'avais très envie de la mettre. C'est une robe qui vient de chez Beauouf. J'avais acheté l'année dernière. C'est vraiment le genre de couleur que je ne mettais jamais il y a un an, deux ans et demi. Un an et demi, deux ans. Et que là, j'avais craqué. Je me suis dit, allez, vas-y, tant pis. Voilà, adieu le noir. Et franchement, je regrette pas. Franchement, elle est belle. Elle est top. Enfin, moi, j'aime bien. En fait j'ai tout le temps peur de mettre des couleurs un peu flashy, des couleurs un peu, vous voyez comme là elle a beaucoup de motifs et tout, voilà, et alors que à tort quoi en fait. Donc du coup j'ai remis ça, le rouge à lèvres aussi, parce que je pense, alors j'essaye de penser à tout hein, pour répondre à vos interrogations, parce que autrement vous me les posez en question, en commentaire. Le rouge à lèvres aujourd'hui, c'est un rouge à lèvres de chez Révolution, c'est un make-up Révolution, c'est la couleur noble. En fait c'est un duo, c'est un mat, c'est un duo avec le crayon. Ils sont top, ils tiennent assez bien. Là c'est parce que j'ai pas attendu qu'il soit sec. En fait quand vous le mettez vous attendez bien qu'il soit sec, et puis ensuite logiquement il tient très très bien. Là c'est parce que j'ai bu un café, j'aurais dû attendre. Voilà, je me suis occupée de mes ongles aussi, j'ai pris un petit mi-temps en fait, mi-time pour moi ce matin. Souvent c'est ce que je fais le week-end, je me prends quelques heures pour moi, donc là je me suis occupée de mes cheveux, j'ai fait un masque, voilà, j'ai mis de la crème, etc. etc. Et là j'étais en train de finir mon café, nyum, et de répondre à vos commentaires. Et dans les commentaires il y avait beaucoup de questions sur Shane, alors je voudrais vous répondre, enfin j'ai répondu aussi individuellement, mais je vais y répondre aussi généralement, parce que je pense que vous êtes beaucoup à vous poser la question. Vous me demandez souvent si ça taille bien et si je prenais ma taille habituelle. Alors, ça taille bien, franchement j'en suis contente. Ça, chez les garçons j'ai trouvé que ça taillait grand, mais après Angel est très fin, et Greg aussi, donc je sais pas si, mais non, ça taille grand quand même chez les garçons. Enfin, je pense. Par contre, chez les femmes, alors ce que je peux vous dire, c'est que oui, moi, je prendrai ma taille habituelle. Ce qu'il y a, c'est que moi, je suis un petit peu mal fichue. En fait, ce qu'il y a, c'est qu'avec, vous savez, hein, j'ai perdu énormément de poids. Et avec la perte de poids, il y a des endroits de mon corps qui ont des stigmates, on va dire. Du coup, il y a un surplus de peau et qui prend de la place, quoi, en fait, hein, dans les vêtements. Je suis prise au niveau de mes bras. J'ai pas mal de surplus de peau aussi au niveau du ventre, voilà, et un petit peu en haut des cuisses aussi. J'ai des bonnes cuisses,
Donc du coup, il y a des choses, mais déjà en magasin, d'habitude je mets un 42 en haut, 44 en bas. Voilà, à peu près au niveau des tailles. Ça dépend en fait de la matière. Si mettons en haut, c'est un chemisier, vous voyez les matières qui ne se donnent pas, je vais devoir prendre une taille au-dessus, pas à cause de ma carrure, mais à cause de mes bras. Parce qu'en fait, c'est pas l'élastique et je suis trop serrée des bras. Ça tend en fait, où il y a des moments, bah, même mon bras ne rentre pas, quoi, en fait, parce que c'est pas, enfin voilà, c'est pas taillé pour... en fait, c'est des tailles standards, taillées pour des personnes standards. Et moi, j'ai encore des bras d'une personne qui est en surpoids, quoi, en fait, dû à cette peau, quoi, en fait. Donc du coup, je suis obligée de prendre une taille au-dessus. Mais comme je vous dis, c'est rien à voir avec le fait que ça taille pas bien, c'est juste moi qui suis... mal fichu. Pareil au niveau des pantalons. Pantalon, je prends 44, mais à cause de mes cuisses. J'ai une petite taille, mais à cause de mes cuisses, souvent quand les pantalons ils sont un petit peu ajustés ou quoi, je suis un peu trop serrée au niveau des cuisses et je suis pas à l'aise dedans. Donc je prends une taille au-dessus. Chez Shein, je prends forcément une taille au-dessus parce que leurs pantalons sont très ajustés au niveau des fesses. Donc du coup, si vous avez des bonnes fesses comme moi, prenez une taille au-dessus. Par contre, si c'est plutôt au niveau du ventre, ça va chérie? T'as été? Si par contre au niveau du ventre, il taille très très grand, là moi je suis obligée de mettre une ceinture parce qu'autrement le pantalon tombe, ça baille vraiment quoi en fait. Donc si par contre vous avez des petites fesses, un peu de ventre, là prenez votre taille habituelle parce que je pense que ça devrait aller. Et les hauts, je prends une taille au-dessus aussi, mais c'est à cause de mes bras parce qu'il y a certaines matières et quand on commande comme ça sur le net qu'on peut pas essayer, on voit pas forcément la matière. Puis elle demande à des surprises en fait quand on reçoit, je sais pas si c'est élastique ou quoi. Et je sais pas la forme, parce que quand c'est des manches un petit peu bouffantes, il n'y a pas de souci. Mais quand c'est des manches qui sont très ajustées au niveau des bras, ben voilà, ça rentre pas quoi en fait. Je suis pris des bras. Donc du coup, moi je prends une taille au-dessus, mais comme je vous dis, ça n'a rien à voir avec le fait que ça taille pas bien. C'est le fait que moi, mon corps est mal fichu. Et du coup, pour être sûre de rentrer dans le vêtement à cause de ces petits défauts, ben je prends une taille au-dessus. Mais souvent, voilà, il n'y a pas de... ça taille super bien. Et au niveau de la qualité des vêtements, franchement, moi, j'en suis super contente. Pourtant, j'ai acheté cet été, je ne sais pas si vous vous souvenez, j'ai un petit haut blanc avec comme de la broderie anglaise qui est en matière un peu coton. J'avais très peur que ça rapetisse et ça n'a pas du tout rapetissi. Pareil, j'ai acheté deux robes style robe t-shirt. Pareil, c'est matière t-shirt en fait. Hein. J'avais peur aussi que ça rapetisse et aucun souci non plus. Ça n'a pas rapetissé. Pourtant, je les ai mis et je les relavais et relavais et relavais. Et aucun souci, ça n'a pas bougé. Donc voilà, prenez votre taille habituelle, sauf si comme moi vous avez un petit corps, un corps avec des petits déformations. Voilà. Bon allez, je vais aller voir mes hommes. Je pense que j'ai un blessé. Ouais. T'as un blessé? Ouais, l'adducteur. Ah zut. Ça commence bien, hein? Et puis, on va faire à manger. Alors, ce midi, c'est à manger cool, tranquille. Logiquement, je voulais faire des frites et des moules. Et en fait, on n'a pas été à chercher les moules. Donc, du coup, ça va être... j'avais des steaks au congélateur. Ça va être steak avec des pâtes et de la sauce. Voilà, tout simplement. Chez nous aussi, deux fois, c'est tranquille. Hein, c'est week-end, hein? Alors, ça s'est bien passé, le match? Ils ont perdu. Mais autrement, comment se fait qu'il s'est blessé? Un peu trop donné à fond? Il a joué contre un de ses anciens coéquipiers. Donc... Ah, il a voulu montrer que... Hein ouais. Bon allez, je vais mettre ma deuxième couche de vernis. Le vernis que j'ai mis, je sais que vous allez me demander aussi, c'est un de chez Lidl. Et franchement, je vous les conseille, ils sont top. Lidl. Ils sèchent super vite. Donc c'est pratique, on n'est pas obligé de rester deux heures avec la main comme ça. Et le pinceau est très large. Donc vous allez, ça va super vite pour le mettre, enfin je sais pas, il va vraiment très très bien, il s'étale bien. Et juste un coup de pinceau, votre ongle est fait quoi en fait, donc c'est cool. Allez, je vais voir mon blessé. Alors on a fini de manger, je vous ai pas montré le repas parce que c'était pâtes, steak, sauce tomate. Et j'avais fait cuire des courgettes avec les sauces tomates. Voilà, c'était très très simple. Angel, oui tout à l'heure je vous ai quitté en disant que j'allais voir mon blessé. Il s'est sûrement fait une petite élongation, quelque chose comme ça, au niveau de la jambe. Voilà, c'est au niveau des adducteurs.
Voilà, c'est un petit peu trop donné sur le terrain. Donc on verra. Mais bon, logiquement, on est habitué à la force. Au début, on s'en fait et on va vite aux médecins et aux urgences. Et après, on s'habitue et on sait qu'au bout de 2-3 jours, il n'y a plus rien. Et il fait chaud là, non ? En fait, j'ai quand même mis des collants parce que j'avais peur d'avoir froid. Et j'ai mis une petite veste parce que quand il y a le soleil, ça va. Le soleil chauffe un petit peu, mais dès qu'il se cache, voilà, il fait rafraîchir vite. Et puis j'ai peur que ce soir d'avoir un petit peu froid. Là, on est parti. On va aller échanger le fameux pantalon de Stacy qu'on avait pris en double. On va aller faire peut-être 2-3 magasins. On va profiter que les loulous sont avec nous pour aller voir pour avoir un manteau. Parce que comme je vous ai dit, il commence à faire un petit peu frisquer le matin. Et je comprends que d'ici 15 jours, on aura besoin de notre manteau en début de matinée, comme ça, quand on va partir à 8h, enfin à 7h30, il fait un peu frais. Et puis ensuite, on va aller faire un coucou aux beaux-parents. Voilà. Sûrement pour voir aussi les sœurs à Greg, parce que ça fait un moment qu'on les a pas vues, en fait, hein, depuis qu'elles sont parties en vacances. Moi, je les ai croisées. Un mois et demi. Oui, toi, tu l'as vu parce que tu as été la chercher à la gare, mais voilà. Donc, les enfants ont hâte de voir leurs cousins aussi. Allez go! Alors j'espère qu'il n'y aura pas trop de monde dans les magasins. Stacy veut aller faire retirer un tour à Cultura aussi. Hein chéri? Elle a envie de livre, je pense, cette coquine. Hein? Allez, on y va. Troisième jour de ce week-end vlog. Hier après-midi, je vous ai un tout petit peu abandonné. En fait, on a été faire les magasins. Il y avait énormément de monde parce que, en fait, ils ont annulé. Logiquement, c'était le week-end de braderie, je pense. De braderie de Lille. Ils ont annulé la braderie de Lille, mais ils ont autorisé les commerces à faire une sorte de petite braderie dans leur magasin ou à l'extérieur. Donc, en fait, ils avaient tous mis leur stock, on va dire, à l'extérieur, et il y avait des attroupements et tout, c'était horrible. Donc on n'est pas resté trop longtemps, on est vite parti. On a trouvé pour Stacy, elle a voulu un blouson en simili cuir. On n'a rien trouvé pour Angel, il n'y avait encore rien dans les magasins. On est allé pour un manteau d'hiver, quoi, en fait, et il n'y a strictement rien trouvé. On leur avait trouvé 2 jeans, mais on va devoir aller les reporter parce qu'ils ne vont pas. Angel, Stacy, il est un peu trop serré, et Angel, il est trop serré aussi. En fait, ils sont tous les deux trop petits. Trop serré au niveau des cuisses, en fait, ils sont pas à l'aise avec. Donc, du coup, on va tous les deux aller les reporter. Et ensuite, on a été où? On a été où hier après? On a été à Cultura. Donc, Stacy s'est pris un livre. Elle a un manga, comme d'habitude. On a été reporter le pantalon à Intersport. Ils l'ont repris sans faire d'histoire, rien du tout. Et on a été donc à Kiabi. Et on a été à... C'est pas carte, c'est Easy Cash. Voilà, pour aller voir pour des jeux pour la PS... De Greg. Donc ils sont revenus avec quelques petits jeux, et Stacy a trouvé des livres, une collection qu'elle faisait, il lui en manquait quelques-uns et elle les a trouvés là à pas très cher, donc du coup elle était contente. Voilà, elle a un petit stock de livres. Sinon, ensuite on a été chez mes beaux-parents, et ensuite on a voulu aller manger quelque part, et on s'est aperçu, moi j'avais mon masque, Greg ne trouvait pas le sien. Alors en fait, on était repassé à la maison entre deux, donc ils ont dû déposer leur masque et ils ont oublié de le reprendre pour aller chez leurs grands-parents. Ils le mettent pas forcément, donc du coup ils ont oublié de le reprendre. Donc quand on a voulu aller manger quelque part, on s'est retrouvé à ce qu'il y avait que moi qui avait le masque, donc il y avait que moi qui avait le droit de manger. Donc du coup on a été au drive, on a été manger, on a été chercher un truc au drive à Burger King. Voilà, deuxième fois on a testé, et puis ça y est, deuxième fois qu'on y va, et ça va. Bon, de temps en temps, on va dire, pour faire plaisir aux loulous, ça leur fait plaisir, donc voilà. Donc voilà, ça a été notre soirée. Ensuite on est rentré, on s'est vite mis en pyjama, on a été prendre notre douche, on a été se coucher. Voilà, ça a été la journée d'hier. Aujourd'hui, ce matin, j'ai déjà fait toutes mes routines et tout, les loulous étaient en train de faire leurs devoirs, dimanche studieux. Angela vient de finir, c'est bon. Et Stacy, elle m'a dit qu'elle avait que du coloriage, enfin seulement de la présentation à faire. Moi, j'ai donc, comme je vous ai dit, j'ai fait toutes mes routines et tout. Greg est parti au potager, il profite parce qu'on dirait qu'ils vont encore faire beau aujourd'hui. Et j'ai commencé à préparer le repas. Donc je vais vous montrer ça, c'est une moussaka ce midi. Donc Greg hier avait été à la boucherie me chercher de l'épaule d'agneau. Donc là, il a haché ce matin.
et pour avoir de l'hachis d'agneau. On n'est pas obligé de le faire avec l'agneau. Traditionnellement, ça se fait avec de l'agneau. On peut faire aussi un mélange d'agneau-bœuf et on peut le faire autrement au bœuf pour celui qui n'aime pas l'agneau. Voilà. Donc, du coup, nous, ça sera avec l'agneau parce qu'ils aiment bien l'agneau. Donc, voilà. Mais c'est vrai que j'aurais pu faire un mélange aussi. Et sinon cet après-midi, alors là je voudrais avancer à fond sur mon travail pour pouvoir cet après-midi aller promener un petit peu, faire encore les magasins. En fait je voudrais aller dans une jardinerie en Belgique, mais un peu celle qui est plus loin que la maison. Je voudrais aller voir tout ce qui est déco d'automne et tout. En fait on est en pleine préparation, voilà, moi je commence à être en mode automne là. La tenue. Petit haut, alors c'est le petit haut que je vous parlais hier à Shane. Vous voyez, c'est de la dentelle, style dentelle anglaise en fait, assez ajourée. Et franchement, il n'a pas bougé ce haut. Donc pourtant, je l'ai mis pas mal de fois cet été et tout. Donc un petit haut en dentelle, vous l'avez déjà vu hein, cette tenue. Petit haut en dentelle, hop, et puis un petit jean qui vient aussi de chez Shane, craqué au niveau des genoux. Et en fait, au niveau du bas aussi, il est un peu... hop, ici, vous voyez, un peu effiloché comme ça. Voilà. Donc, voilà pour la petite. Les boucles d'oreilles, c'est pareil, ils viennent de Shane. Mais par contre, je trouve que le plumeau là, Greg dit que ça, on dirait des balais. Il est trop gros. Je sais pas, j'aurais voulu plus petit. Mais bon, c'est pas grave. Hein, après, je peux les enlever aussi et garder que le. Que ça. Parce qu'en fait, c'est collé en derrière. Je sais pas si vous allez voir. Voilà. Mais voilà, je le. Voilà, on va faire avec. je voulais vous dire quoi aussi. Oui, cet après-midi, je voudrais aller faire un tour en jardinerie. Pour ceux qui sont de la région, on a la famille Flora et il y a Floralux. Floralux, c'est un petit peu plus loin, mais je trouve qu'au niveau de la déco et tout, il y a un peu plus de choix et tout, quoi, en fait. Enfin, ouais, j'aime bien, en fait, Floralux. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il est plus loin que la maison, donc c'est rare qu'on y va quand on a besoin d'un petit truc, on va plutôt celui qui est pas loin de la maison, mais oui, là j'avais envie d'aller voir, je vous ai dit, je me suis mis déjà en mode automne quoi en fait, et ça me donnait envie d'aller voir un petit peu ce qu'il y avait en déco, et ça nous fera une balade pour cet après-midi. Donc pour ça, il faut que j'avance sur tout ce que j'ai à faire, parce que maintenant le week-end, je vous l'ai dit, hein, je fais mon frigo, je voilà, des choses comme ça. Voilà, tout est fait. Tout ce qui me reste à faire, c'est faire ma liste de courses que je vais faire juste après. Je voudrais répondre à vos commentaires, remplir mon agenda pour la semaine prochaine. Et qu'est-ce que je voudrais faire aussi? Commencer à monter le vlog aussi pour gagner un petit peu de temps demain matin. Voilà. Allez, on y va pour la recette du coup de la moussaka. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai coupé mes aubergines en... Donc c'est les aubergines du potager. Je les ai coupées en fines lamelles et je les ai fait dégorger dans un petit peu avec un peu de sel sur une, dans une passoire pour retirer un petit peu, pour commencer à les faire cuire en fait et retirer, vous voyez, ça dégorge beaucoup et ça les empêche d'absorber trop d'huile. Alors moi, ce que je fais pour éviter que ça soit trop gras, les aubergines d'habitude on les fait frire dans la moussaka ou on les passe dans de l'huile, mais l'aubergine c'est une vraie éponge et ça absorbe l'huile. Donc déjà le fait de faire ça, ça empêche un petit peu l'aubergine de trop se gorger d'huile. Et moi en plus je les fais cuire au four au lieu de les faire cuire, de les faire frire. Ça me permet d'alléger un petit peu la moussaka. Voilà. Donc bah, après si vous voulez vous pouvez les faire à la poêle avec de l'huile, hein, les faire frire. Donc là je les ai... j'ai mis du sel en fait, j'ai attendu 5-10 minutes, vous voyez ça les rend un peu plus souples, ça les a un petit peu dégorgés. Et là ce que je vais faire, je vais les rincer et les éponger. Alors je les rince pour enlever le surplus de sel pour pas que ça soit trop salé, et ensuite je vais les éponger un petit peu, je vais les mettre à plat sur une grande, une malèche frite en fait que j'ai recouvert de papier sulfurisé, et je vais prendre un peu d'huile en spray. Et je vais les donner un petit coup de spray dessus, juste pour voilà, éviter que ça brûle et que ça sèche, mais sans mettre trop d'huile, quoi, en fait. Voilà. Allez, j'essore ça, enfin, j'essuie ça et je les mets... Je vais les pulvériser comme ça avec une petite bombe d'huile. Mais si vous n'en avez pas, vous mettez de l'huile dans un spray ou de l'huile dans un petit pot avec un pinceau. Vous venez mettre un tout petit peu d'huile sur les aubergines, et là du coup elles vont partir dans un four préchauffé à 180 pendant à peu près 20 minutes. Au niveau des autres ingrédients qu'on a besoin, on va avoir besoin de parmesan, 60 grammes de parmesan, une cuillère à soupe à peu près de persil haché, une gousaille, une boîte de concassé de tomates,
un oignon émincé, une cuillère à soupe d'huile d'olive, du sel, du poivre, ça c'était pour aiguiser mon couteau, à peu près 600 g d'agneau haché, ou comme je vous ai dit, vous pouvez faire un mélange agneau et bœuf, ou vous pouvez utiliser que du bœuf. Pour pouvoir trouver de l'hachis d'agneau, le mieux c'est de lâcher vous-même, parce que beaucoup de boucheries ne veulent pas lâcher pour vous, parce qu'en fait ils ont peur des contaminations entre les viandes. Donc vous achetez de l'épaule d'agneau, là c'est ce que j'ai fait, vous enlevez l'os. Ça vous pouvez peut-être demander à votre boucher aussi de commencer à la désosser s'il faut. Et voilà, au hachoir, soit à l'ancienne, dans ce style de hachoir là que j'ai ici, ou soit là moi j'ai un truc que j'adapte sur mon kitchen pour pouvoir le hacher. Et ensuite il nous faut de quoi faire une béchamel. Alors pour cette béchamel, soit vous faites la vraie béchamel, faire fondre 40 g de beurre, vous rajoutez votre farine, ou vous mélangez et vous rajoutez du lait jusqu'à ce que ça s'épaississe, sel, poivre. Ou version légère, vous faites comme une sauce blanche. Là moi c'est ce que j'ai choisi de faire. Donc j'ai mis 500 ml de lait, une cuillère à soupe à peu près de maïzena, du sel, du poivre. Petit truc aussi quand je fais ce genre de béchamel, pour éviter d'avoir juste du lait épaissi et qui manque de goût, en fait j'ajoute un tout petit bout de cube de bouillon. Donc là moi j'ai mis du bouillon de bœuf, un petit bout, ça donne une autre saveur à la béchamel, enfin à la sauce blanche, et ça évite d'avoir juste du lait épaissi. Donc, voilà. Donc là c'est ce que je vais faire, j'ai mélangé du coup mon lait, ma maïzena et puis un petit bout de cube de bouillon de bœuf, du sel et du poivre, et je vais faire épaissir ça. Alors, le temps que ma béchamel est en train d'épaissir, je vais m'occuper de la viande en même temps. Donc j'ai pris une sauteuse, une cuillère à soupe d'huile d'olive, je vais y faire revenir, commence à y faire dorer un petit peu mon oignon. Et je vais y presser aussi mon ail. Une fois que ça sera un petit peu doré, j'ajouterai ma viande hachée d'agneau. En fait, hier soir, on voulait la salade Enco pour manger. Enfin, les enfants avaient décidé, enfin choisi d'aller à la salade Enco. Et comme on s'est retrouvé sans masque, on s'est dit, bon, bah, y a que le drive à faire, et du coup il y avait McDo, Quick, enfin voilà les trucs comme ça, mais on préfère quand même Burger King, donc on a été à Burger King. Donc du coup ce que j'ai fait pour éviter que ça se reproduise, j'ai fait un petit sac avec 4 masques jetables à l'intérieur, j'ai mis une petite lettre sur chaque masque, et je vais les mettre du coup dans la voiture, comme ça au cas où on a toujours de quoi. Parce que même à un moment ils me disent, mais c'est pas grave, il y a un moment là son masque, bah maman elle va aller jusqu'à les... C'était Auchan qui était à côté, tu vas jusqu'à Auchan, tu vas nous chercher des masques. Mais ce qui est, c'est qu'il était 21h passé et que bah, c'était fermé. Donc du coup j'avais pu, mais on n'a pas pu trouver de solution quoi en fait. Donc pour éviter que ça se reproduise, on va mettre des masques dans la voiture. En fait d'habitude on a toujours un au moins des masques dans la voiture, mais jamais, comme là il nous en manquait 3 quoi en fait. Donc moi j'avais le mien dans mon sac, mais les enfants ils avaient pas l'heure. Ni Greg, et c'est rare de Greg, parce que même Greg d'habitude il y en a toujours un dans la voiture, je vous dis, qui traîne au cas où, enfin qui traîne, bon à chaque fois je les mets dans un plastique et tout, au cas où, et là en fait pas moyen de mettre la main dessus. Une fois que mon ail et mon oignon sont devenus un petit peu translucides et qu'ils commencent à dorer, j'ajoute du coup la viande d'agneau haché, et on va la faire revenir aussi un petit peu à son tour. La viande elle a perdu sa couleur rosée, on ajoute notre boîte de concassé de tomates, le persil, on va saler et poivrer, mélanger, et on va faire cuire l'ensemble pendant une dizaine de minutes pour faire bien cuire la viande. Alors je vais pas mettre de couvercle pour que la sauce reste épaisse, parce que autrement on va avoir quelque chose d'un peu trop liquide et ça va détremper un tout petit peu notre plat, donc c'est pas ce qu'on recherche. Donc j'ai mélangé, je baisse le feu et je laisse cuire une dizaine de minutes. Ma béchamel avait épaissi, pareil je l'ai éteint et je la laisse sur le coin du feu. Après il ne restera plus qu'à assembler une fois que notre viande, notre sauce est prête et que nos aubergines sont finies. Donc là ça y est, j'ai mes aubergines, hop, qui sont cuites, voilà. J'ai ma viande qui est cuite, j'ai ma béchamel qui est faite, j'ai mon parmesan qui est là. J'avais envie de tester dans ce plat là, j'espère que tout va rentrer, on va voir.
Je vais tester, je vais voir. Au pire, je transviderai. Mais bon, j'espère que ça va rentrer, que j'ai un bien calculé. Et là, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un montage un peu comme des lasagnes. Le seul truc, c'est qu'à la place d'avoir la pâte à lasagne, on va mettre des aubergines. Donc là, je vais graisser un plat. Mettre un peu de... Voilà, pour éviter que ça accroche. Je vais mettre un tout petit peu de sauce. Alors moi, c'est ce que je fais aussi avec mes lasagnes. C'est pour éviter que ça colle dans le fond et que ça brûle. Donc je vais mettre juste un tout petit peu de sauce dans le fond de mon plat. Je vais mettre une couche d'aubergine. Remettre de la viande. Une couche d'aubergine, remettre de la viande et ainsi de suite. Et on finit avec la béchamel et le parmesan. J'avais bien calculé. Tout est rentré. Donc là, du coup, j'ai fait mes différentes couches. J'ai fini par une couche de d'aubergine. Et du coup, là, je vais recouvrir avec ma béchamel. Alors, il y aura peut-être un petit peu trop de béchamel en fonction du plat que vous utilisez. Vous allez devoir en avoir un peu plus ou un peu moins. Voilà. Je vais tout recouvrir. Et puis, je vais mettre le parmesan et ça va partir... au four. Alors j'avais laissé mon four à 180. On va mettre le gratin pour à peu près 20 minutes, le temps qu'il cuit bien. Enfin, c'est déjà à moitié cuit, hein, mais que voilà, les saveurs se mélangent bien et puis qu'il gratine aussi bien. Donc là, ça y est, c'est fini. Donc je l'enfourne 180 pendant à peu près 20 minutes. On va passer à la table. Le gratin est cuit. Greg m'a ramené, il était au potager. Je me souviens plus si je vous l'ai dit ce matin. Il m'a ramené encore des tomates, des pommes de terre. Des courgettes, des petits oignons verts. Hein. C'est les mois où ça donne bien en fait au potager. Août, septembre, c'est les mois où on n'achète pratiquement pas de légumes. Parce qu'il y en a pas mal qui viennent du potager. Et puis il faut profiter parce que là les tomates, je pense que ça va être la fin. Dans le nord, on va dire jusque octobre. À peu près. Après, ça dépend de la pluie en fait qu'on a. S'il y a trop de pluie, c'est pas qu'il n'y en a plus, c'est que en fait les pieds deviennent malades, ils attrapent le mildiou. Et les tomates, on les conserve plus quoi en fait. Je vous montre du coup la moussaka, je vais la servir. Alors j'ai fait ça avec de l'orzo pour changer un petit peu. J'hésite entre le riz et l'orzo, mais voilà, ça ira très bien. Donc, voilà, il est bien gratiné. Et je vais essayer de couper ça en parts et pas faire la cochonne. Ça va, je me suis servi une belle part, ce que ça donne du coup avec les couches de viande et les couches d'aubergine. Voilà. En tout cas, ça sent bon. C'est pas la première fois que j'en fais. Hein. J'en fais pratiquement tous les ans quand c'est la saison de l'aubergine. Et Cécile qui n'aime pas trop l'aubergine, et ben ça, ce gratin-là, elle l'aime bien. Et quand je fais aussi, et ça va être aussi une recette que je vais sûrement faire pendant que c'est encore la saison et qu'elle commence à arriver, enfin qu'on en a encore au potager, je vais faire un gratin d'aubergine à la parmigiana. Ça aussi, c'est trop bon. Allez, on va manger. On vient juste de rentrer. On a été faire notre petit tour, du coup, comme je vous avais dit, à Floralux. Je suis contente, j'ai trouvé plein de trucs. Au niveau de la déco, ça n'a rien à voir par rapport à là où on va d'habitude. Je trouve qu'il y a beaucoup plus de choix. Voilà. J'ai pris la déco de... d'automne du coup pour changer un petit peu notre déco. J'ai pris des coussins, je vous montre pas tout parce que je vais faire ma déco sûrement cette semaine ou la semaine prochaine et je vous montrerai quand ça sera posé, mais en gros voilà, un petit aperçu des couleurs. Donc ça c'est les coussins et un petit peu là-bas qu'est-ce qu'on a pris aussi, ah on a pris des fleurs aussi pour mettre un petit peu à l'extérieur ici, voilà il y a un petit peu encore de déco aussi. On a pris un pot aussi pour replanter notre aloe vera. Greg s'est pris de la salade, des artichauts. J'ai acheté un autre pousse-mousse comme ça pour mettre dans ma cuisine, pour mettre mon liquide vaisselle parce que le mien, la pompe là, elle va plus. J'ai acheté des grands bols comme ça pour faire tout ce qui est pokéball, les salades comme la salade burger ou les choses comme ça. J'en ai pris 4 et ensuite j'ai trouvé des bougeoirs et puis voilà, c'est pareil, c'est un peu de déco d'automne. Comme je vous ai dit, je vous montrerai tout ça plus en détail quand on la fera. Bon allez, je vais ranger un petit peu tout ça et après on va m'en faire à manger parce qu'il n'y a pas, hein, demain nouvelle semaine.
avec l'école et tout. Et demain, bah, debout de bonne heure. On est en train de préparer les crocs. Du coup, je vais vous me montrer un petit peu. Je dis on parce que Stacy est en train de le faire avec moi. Donc en fait, c'est des crocs dans lesquels on va utiliser le chutney de tomate qu'on a fait il y a 3 semaines, je pense, ensemble. La recette est sur le blog si vous voulez. En fait, on va faire une petite sauce avec ce chutney de tomate qui va garnir nos crocs poulet mimolette. Et oignons. Donc en fait on prend du pain. Alors nous on aime utiliser du vrai pain et pas du pain de mie quand on fait des crocs. Donc j'ai acheté un pain tout à l'heure à la jardinerie. En fait il y a comme une petite boulangerie là. Donc du coup j'ai coupé le pain, parce que comme c'était grosse tranche style pain de campagne, j'ai coupé le pain en deux. Pour la petite sauce, on met 50 g de mayonnaise, 50 g de chutney de tomate. Ça fait une petite sauce aigre douce en fait. Et j'ai rajouté une cuillère à café de sauge séchée. Hop. Ensuite, poulet rôti qu'on a décortiqué, un oignon qu'on a émincé et de la mimolette qu'on a râpée. Donc du coup, dans le pain, on met un peu de sauce, un peu de poulet, un peu de mimolette, un peu d'oignon. On ferme et on grille. Voilà, et on va manger ça avec une petite salade, sûrement devant la télé. Bon alors moi sur ce je vais vous laisser parce que tout à l'heure j'ai monté le vlog. Je vous mettrai une photo ici des crocs assemblés, mais ça ressemble à des crocs en fait hein. Je vous mettrai aussi la recette sur le blog si ça vous intéresse. C'est très simple hein, mais ça peut être une idée pour utiliser le chutney. Alors si vous n'avez pas de chutney de tomate, si vous voulez le remplacer par autre chose, vous pouvez le remplacer par de la confiture si vous voulez, confiture d'abricot ou quelque chose comme ça, pour avoir une sauce un peu aigre douce, mais rajouter peut-être un petit peu de piment ou quoi, vous voyez, pour corser un peu le goût en fait, pour avoir ce petit côté aigre doux justement, et avoir ce côté un petit peu piquant. Voilà, oui, donc je disais je vais vous laisser là parce que j'ai commencé à monter le vlog et il est déjà très très long comme tous les week-ends. 3 jours pour moi, déjà une journée c'est déjà beaucoup, donc 3 jours c'est énorme. Je pense qu'il va encore une fois faire une heure. Donc je vous fais des bisous et je vous dis du coup bah à demain pour une nouvelle semaine avec nous. Bye, bisous, à demain. Gonna love you till infinity.